J'ai peut-être dit coucou trop tôt. Coucou, c'est le live. Je vais envoyer ça. Là, on y est. Ça, c'est bon. Ça se connecte. Ça se connecte. Alors, vous avez mon tweet deck. Bah, c'est bien. Vous avez toutes les fenêtres, en fait. On est sur de l'Inception. Heureusement qu'il n'y a rien de très grave. Vous avez ma liste d'amis Steam aussi. Et vous avez maintenant le jeu. Alors, je lance le jeu. Je lance le jeu, mais je ne suis pas prêt. Comme à chaque début de live sur ma chaîne. Je ne suis pas prêt, je vais modifier. Mais tu te lances. Je vais modifier des choses. Notamment cette webcam qui n'en peut plus. Qui ne fait n'importe quoi. Field. Et il faut que j'aille chercher mon casque aussi, parce que j'ai pas pris le casque. Du coup, c'est un peu con. Le gars ne prend pas son casque. Alors, si je fais ça... Alors, si je fais ça, j'ai quand même encore des petits bouts de ma bouche qui se cassent. Là. Ah, mais là, ça commence à, sur les bords. Ah, si, ça se voit. Ça se voit, là, non? Non, vous le voyez pas, vous? Si, ça se voit quand je me penche. On monte un peu. Casse-couille, ce truc, hein. Comme ça, peut-être? Non, mais là, ça me bouffe un peu de la bouche, quand même. Ah! Il est insupportable. J'ai la bouche de la même couleur que le mur en fait. On est en plein réglage, hein. Les réglages. Cet homme a un bout de bouche qui ne va pas. Un jour j'aurai un fond vert. Si je fais ça, je me retrouve en noir et blanc. Non, ça ne va pas du tout. Je fais ça, ça n'a rien à voir. Alors là, je pense que on a pas trop de solutions, à part peut-être, on va le lancer. À part, il va se barrer. Je sais que la fenêtre va se barrer à un moment donné. Configurer la vidéo, mise au point auto, ça me semble fou. Je suis orange. Non, bah pas grand chose, tant pis. J'ai les lèvres rouges aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Hop, on ferme ça. Et voilà, ça se barre comme à chaque fois. C'est pas grave, le temps que ça charge. Putain, qu'est-ce que c'est lourd. Alors, je vais aller chercher mon casque et on va démarrer d'ici 5 minutes. Alors, la petite question, c'est est-ce que je vais partir en solitaire. Je pense au début. Après, on pourra tester le matchmaking. Il y a un truc de matchmaking automatique. On peut faire petit équipage level encre et ça fait un matchmaking en fait. Donc, on pourra tester éventuellement. Mais pas tout de suite. Tout de suite, je préfère faire une petite partie tout seul. Alors, je poste le truc. Oh. Qu'est-ce que c'est, non, cette merde? Je parle évidemment de Facebook. De la merde. Donc, je ressorte mon compte Buffer pour poster aux deux endroits en même temps, parce que sinon, c'est bien relou à faire. Évidemment, il m'a pas copié tout le lien. Putain. Hop, hop, hop. Sors-toi les doigts. Bah, tant qu'à faire, je fais ton chargement parce que je sais qu'il va mettre 15 ans. Du coup, autant qu'il le fasse.
Hop. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, c'est parti pour aller chercher mon casque. Je reviens dans 10 secondes. Bonjour aux deux personnes qui regardent ce live. Je branche mon casque et nous pourrons démarrer. Hop, c'est branché. C'est sur les oreilles. Allons-y. Mettons le jeu en plein écran. Boum. Alors en fait, ce micro me gêne. Dites-moi si on est correct au niveau du son. Moi j'ai un vieux faux contact dans mon casque. Mais le micro en plein milieu c'était un peu casse-couille. Alors peut-être que le son du jeu est trop fort par rapport à ma voix. On devrait être un peu mieux. Alors, cette personne mystérieuse me demande maintenant voilà, d'aller à 10 au lieu de se contenter des 5 qu'elle demandait au début. En fait, je suis sûr que ça permet de monter là-haut. En fait, au début du jeu, t'arrives et elle te dit « Ouais, soyez à 5 partout. » Et donc là, je suis à plus de 5 partout. Et elle fait « Ouais, soyez à 10 partout. » Ce qui n'est pas très gentil. Alors... qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on fasse un petit peu de trucs de marchand et un peu de trucs d'ordre des âmes. Très bien. Je me suis fait un peu de thune hein, depuis les dernières fois. Alors, je vais en profiter pour juste fermer les pages de stream, vu que je vois que ça stream correctement. Et il n'y a aucun intérêt à ce que je laisse ces pages ouvertes, à part me bouffer de la ressource. Hop. 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 Je mange. Bonjour monsieur. Ça, je m'en fous. Je suis déjà à plus de 10. Faut que j'aille voir les autres. Alors ça va être un petit peu plus compliqué tout seul que quand j'étais avec Silab parce que tout simplement je vais être tout seul. Donc ça va être alors je n'ai plus de voyage peut-être. Si j'en ai plein. La roquette fantasy du Pitou, livrer la cargaison, livrer la cargaison, livrer la cargaison, livrer la cargaison, livrer la cargaison. Je crois qu'il faut livrer des cargaisons. Alors on va aller proposer ça. J'ai pas pris de boulet de canon ou quoi, y en a ? Voilà, merci. Hop. Et toi, t'en as ? Hop, j'ai jamais le temps de les tirer, mais... Mais pourquoi pas les prendre ? C'est une corde. C'est une corde. C'est des planches. Hop, 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 hop. Ah, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. Putain. Hop, ranger ça. Donc, proposer voyage. Voter pour ce voyage. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Une poule tachetée, une poule à plumage noir. Putain! Je n'y arrive jamais à sauter des bateaux. Faudra que j'aille chercher les maps interactives et tout. Carte découverte. Bonjour. Merci.
Mais il en faut deux. Mais non, je veux monter. Il est con ce jeu. Alors. Bonjour. Voilà, donc du coup j'ai mes deux poulaillers. Ensuite il faut que j'aille chercher les poules tachetées. Alors on va aller regarder en ligne comme des gros sales. Parce que faut pas déconner, je ne saurais pas vous dire où sont les poules tachetées. Peut-être que je peux masquer automatiquement le. C'est où ça maintenant? Putain, il ouvre tout un truc masqué automatiquement. En mode bureau et en mode tablette. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. Un peu seulement. Au final, non, ça apporte pas grand chose. Carte interactive. Sea of Sieves. Désactiver. Ouais, ça m'en fout. Ok. En bas. En fait, c'est con parce que ça, le truc là, afficher les boutons, machin et tout, la zone de notification, c'est jamais sur le bon. Genre, j'aimerais bien que ça apparaisse à droite. Voilà. Je vous ai raconté ma vie. Alors, une carte interactive. Effectivement. Les emplacements de tous les animaux. Ok, et donc là actuellement nous sommes ici, donc juste à côté de l'avant-poste de Galen's Grave. Ce qui est. Ah, attendez, nous on cherche quoi? Des poules. Ah, je suis sur la mauvaise page. Des poules. Possible de trouver les poules. Je crois qu'il y en a sur Tree Rock. Ouais, Tree Rock, il y en a. On va aller là. Non, pas là. Là. Là, c'est là où on est. Hop, on y va. Attendez, je fais juste ça. Hop, voilà. Hop. Voilà. Non, non, non. Oui. Hop. Non plus. Non. Je galère tout le temps à trouver ce bouton. Alors, libérer de l'espace de stockage sur votre ordinateur. C'est vrai, ça, tiens. Faites-le. Tu vas pas me l'enlever le message, évidemment. Alors. Après, faudra aller sur des garçons. Ça fait bizarre de naviguer tout seul tout d'un coup. Donc, plein sud. Plein sud. Là, on va vers le ouest. Donc, il faut tirer à gauche. Et hop, on est bon, je pense. Enfin, mis à part qu'on va se prendre un rocher à un moment donné, mais globalement, on est bon. Ah, un peu plus à l'ouest. Celle-ci, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Une poule tachetée, une poule noire. Très belle tempête. On est en plein dedans. On est en plein dedans.
merde, j'ai oublié mon poulailler. Comme un connard, j'oublie mon poulailler. En plus, je suis ultra loin. C'est pas grave. Hop. Poulailler. Poulailler. Alors, une noire et une blanche tachetée, c'est ça? Merde, j'ai raté. Oh, cool! Voilà, c'est une bougie. Enfin, je suis pas sûr. Je vais retourner voir. Quel bordel. Alors, une noire et une tachetée, ok. N'oublions pas. Le truc. Une tachetée, donc ça c'était juste une bougie. Une tachetée, une tachetée. Ah, est-ce que ça c'est une tachetée? Non, ça c'est une en or. Golden. Comme les pommes. Tacheté, tacheté, tacheté. T'es tacheté toi? Non, t'es blanc. Quelle tempête. Quelle tempête. Comme dans la vraie vie, quoi. Ici c'est la même tempête. C'est la pluie battante. Putain, mais il n'y a pas une tachetée sur cette île, quoi. On va aller taper sur une autre île. Non, il n'y en a pas. Elle est toujours blanche, oui. C'est la même. Non, mais il n'y en avait que 3, je pense. Bah, go maison. Alors. Ah, maison. On va aller sur une île à côté. On va aller sur une île à côté. Il me semble qu'il y en a ici, donc on va y aller. C'est évidemment au nord-ouest de là où on est, donc parfait en fait. Excellent. Hop, nord-ouest. Parfait, c'est exactement là où on va. Exactement là où on va. Hop. Vu qu'elle est tout à l'ouest. Même pas sur le fort. Je ne pense pas. Sacré vague, hein. Il y a des sacrées vagues. Là, on est en plein dans la tempête. Je me dévie un peu pour pas taper. Hop. J'ai l'ouest. Peut-être j'ai un bruit, c'est celle-là là-bas, avec les rochers. Je me souviens plus.
Quel bordel. Je vais vérifier qu'on n'ait pas de... Si, un peu, non. Un tout petit peu. Oui, le... Non, c'est bon. Alors, attendez. Où est-ce qu'on est? Je suis paumé. Ok, d'accord. Elle est à notre droite. Effectivement. On va réduire la voile parce que là c'est le bordel. Avec la tempête, j'arrive plus à conduire. Ouais, la tempête s'arrête. La tempête s'arrête. Quoique. On peut se comprendre. J'ai eu l'impression que ça se calmait un peu. Alors eux ne tirent pas dessus pour l'instant. Ah mais il y a de la lumière. Alors ça va peut-être commencer. Peut-être qu'ils vont nous tirer dessus. On va les éviter un peu. C'est qu'il y a toujours de la lumière et que j'ai jamais fait gaffe. Ils ne tirent pas totalement dessus. Alors je vois pas d'autres navires. Pas d'autres navires. En fait, c'est très chiant quand j'ai la voile tout en bas, je vois pas grand chose. J'avoue que c'est un peu chiant la tempête. J'ai hâte que ça se finisse. J'ai hâte que ça se finisse. Alors je me dis que le jeu, enfin ma voix est peut-être pas du tout assez forte. Alors là, les vagues me font aller complètement n'importe où. N'importe quoi. Ah putain, c'est galère. On va remonter la voile. Parce que là, avec l'eau, là, avec l'eau. Avec l'eau dans la mer. Non, là, avec le vent, c'est l'enfer. C'est pas du tout là où je voulais aller, en fait. On est d'accord? Pas du tout. Il y a peut-être des poules. Chaud, 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 chaud. C'est bon. En tout cas, il y a un squelette. Bah, il y a un squelette, mais je vois pas de poule. Il y a des serpents. En fait, ça sert à rien qu'on vienne ici. Enfin, ça sert à rien. Donc, j'ai autre chose à foutre, quoi. Du coup, c'est pas du tout là que je voulais aller. Est-ce que je peux réussir à tomber là-dedans? Pas du tout. Où est-ce que je suis allé? Mais pas du tout en fait. J'avais l'impression que j'étais dessus, mais en fait non. Pas du tout. Le zoom m'a trahi. Les deux îles étaient très proches. Donc du coup, il faut que j'aille bah, tout droit en fait. Juste en face. C'est l'une de ces îles là. Ok, d'accord. C'est noté. Hop. Non, 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 ça c'est un caillou.
Pas ouf les cailloux. Je pense que c'est l'île en face là. Il y a encore des deux. À l'endroit où il y a la forteresse quoi. C'est la forteresse? Faites voir. Ça me saoule. J'arrive pas à savoir où il y en a des... Ça a quand même fait un gros bruit. Oui, donc pas du tout. Ben, Crooked Mast alors. En plus, je crois que c'est là que je dois livrer. En fait, il n'y en a pas du tout ici. Hop, plein sud. Faire quand il fait beau. Bien par là. C'est bien celle-là. C'est là d'où on vient, non? Je sais plus.
Attention, c'est où? Non, c'est Daggers Tooth. Hein. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était côté de Nast. Je vais totalement me prendre le rocher. Là. Je suis en train de regarder, je vois des bouts de... bateau. Putain, mais c'est casse-couille. Je suis arrivé totalement dans le mauvais sens. Aucun endroit pour accoster ici. Y a pas une plage, y'a rien. J'ai fait le tour là. J'ai fait un trou. Notre notre wing. Juste écoper ce que j'ai de là. Ah, il me faut une poule d'acheter. T'es acheté toi ou t'es rouge? Si, t'es acheté. Elle est où? Merci. Oh, un squelette. Alors, c'est où que je dois le ramener le truc? À Daggers Tooth. Où est-il? Je ne me souviens plus. Daggers Tooth, Shark Tooth Key. Pas si loin parce que j'ai déjà fait, c'est dans les îles de... Ah, voilà. Donc, nord. Enfin, en fait, tout droit, quoi. Hop. Oh putain, y'a un bateau. La noix là. Où est-ce qu'il est parti? Bah, il est pas venu. On n'a pas suivi. C'est étrange. J'ai vaguement le temps d'aller replacer la carte que j'ai mal mis. Comme un connard. Nord. Totalement dans le sens contraire du vent, évidemment, comme à chaque fois. Hop. Ici. Non, c'est là. Quand même un peu... Ah ouais, non, c'est bon, la prochaine. Il vient vers moi, ce truc, hein. Il va me buter.
totalement un bateau qui vient vers nous. Je vois pas. Il est totalement en train d'essayer de me buter. Et lui, il a pas trop le vent contre lui. Il veut gratuitement me buter. Ok, donc là, faut carrément que j'aille par là. Il est toujours en train de me suivre. Il est toujours en train de me suivre. Mais faut arrêter. Pourquoi tant de suivage? Oh là, faut tourner, tourner. Hein. Il me suit encore? Je dirais qu'en théorie c'est ce truc là. Parce que bon, ça ressemble quand même bien à un avant-poste. C'est ce truc là. Ah, il est parti. Il a arrêté de me suivre, il s'est rendu compte que ça lui servait à rien. Par contre, j'en ai peut-être autour de moi. Je ne vois pas. Notamment, c'est dans un bateau, ça? Pas du tout. Putain, j'ai l'impression d'avoir un truc qui me tirait dessus. Bon, écoutez, de toute façon, moi je suis déjà arrivé niveau 10 dans cette réputation là, donc c'est ce que je vais faire. Donc, déjà, ça c'est pas perdu. Ah d'accord, que je peux pas monter dans le truc, oui, voilà. Quand j'ai une poule dans les bras. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, c'est l'autre là, c'est niveau 10 qu'il faudrait. Effectivement, je vais y acheter un. Après, je sais, je vais peut-être pas le faire ce soir parce que moi je suis claqué et j'ai pas spécialement envie de continuer à jouer. J'ai juste fait une petite mission qui m'aura pris pas mal de temps quand même. Mais
Speak then. Now go. Juste acheter les missions. Ah, j'ai peut-être pas. Ah oui, non, c'est plus tard. Ouais. Speak if you return. Cette voix. Bon, bah, je vais peut-être pas faire ça ce soir. Parce que flemme. Je regarde s'il y a un bateau pas loin, j'irai le faire chier. Sinon, on coupera carrément. Bah, là-bas, il y a plein de bateaux. Regardez. J'arrive pas. Je vais aller me faire chier avec mon petit bateau. Petit bateau nul. Je vais faire chier les mecs là-bas. Un petit demi-tour. Là, là c'est le tour. Il y a toujours des bateaux. Ah, il y a plein de bateaux là-bas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais... Ah, mais parce qu'il y a le truc avec les. Le fort. Bon, on va aller casser les couilles aux gens qui font le fort. Allons-y. Pour crever quoi. D'y aller en drift quoi. Non, c'est plus comme ça. Voilà. De toute façon, on le voit. Il est monté. Juste comme ça. Parce que là, c'est en train de lâcher. Je devrais être pile en face. La voile est gonflée. Putain, c'est la première fois que je vais vers un port et ça prend ses bruits. En fait, il n'y avait qu'un seul bateau, il n'y en avait pas 15 comme j'avais l'impression. Le jeu s'excite du fait que j'aille vers le port. Effectivement, c'est beaucoup plus allumé. Et il nous tire carrément dessus. Il nous tire carrément bien dessus. Putain, mais le jeu rame. Il a pas l'habitude. Oh putain.
regarder. J'ai même pas fait de trou. Par contre, lui, je le def, je pense. Bah, lui, il avait rien. En fait, c'était lui que je voulais taper, c'est pas les monstres. Merde! Il est où le gars? Quand je me fais death. Il y avait pas un truc là où on peut monter? Peut-être qu'il est pas affiché, tant que t'as pas un... Je voulais faire chier un gars! À la fin, je me retrouve à me battre contre 40 zombies, 40 squelettes. Et je suis sûr que le gars, lui, il a plus personne avec qui se battre. Parce que c'est moi qui... Putain, j'ai même plus de bananes. Je vais crever comme un con. Ciao. Allez, c'était la fin de l'aventure. Moi, j'étais venu pour l'emmerder, mais je l'ai vu une demi-seconde. Et après je l'ai plus vu. Du coup je sais pas où il est. Et moi j'ai plus de vie. Je me suis bien fait def par contre. C'est con parce que là-bas il y a des gens aussi. Je les vois. Putain. Bah, je vais me faire buter. Salut. Et ben on va couper. On va couper le jeu. Je remercie les personnes qui sont passées. On se retrouve une prochaine fois.